Eh oui les amis, je suis mort. Je suis mort et c'est chouette. Il est 19 h, je suis mort, c'est chouette et c'est le nouveau The Big Game of Ski. Quelle tragédie les amis. Je sais pas comment on va faire. Vous n'aurez plus d'émission dans le futur, c'est juste dramatique. Alors oui, pourquoi je suis mort? Parce que j'ai joué à Dead Cell et j'ai découvert ce jeu qui est assez marrant. Alors j'ai fait un petit run pour voir la tête que ça avait. Et évidemment, je me suis dit que ça serait peut-être pas inutile de le partager, puisque le jeu a ses charmes, ses qualités, et peut-être quelques défauts aussi quand même, pas exagéré, mais merde. Alors, c'est quoi le principe dans Dead Cell? Dans Dead Cell, c'est un petit peu tendance gros pixel déjà, donc vous voyez la clientèle? Oui, non, je n'ai pas dit les bobos, mais bon, on va pas juger. C'est juste que oui, on vous l'a fait gros pixel, parce que maintenant c'est classe de faire du gros pixel en 2018. Soit! Mais c'est vrai que c'est manié avec talent, vous allez le voir tout de suite. L'autre truc marrant, c'est qu'on va vous faire du roguelike. Ah oui, parce que le roguelite, c'est tendance en 2018 aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est tendance cette année. Alors laissez-moi deviner la tendance suivante. Ça pourrait être quoi? Un espèce de hack and slash avec un peu de loot et tout? À la Diablo? Bah, en 2018, c'est tout à fait tendance. Hein. Bon. Donc voilà, je vous ai schématisé en trois phrases Dead Cell. C'est le mélange de tout ça. Ambiance vue de côté, donc c'est un Metroidvania, comme on dit, pour faire bien. Est-ce que c'est sympa? Je vous laisse juger. On va rentrer dans la partie. Alors, il faut faire quand même gaffe que tu commences ta partie, tu crèves dans ton donjon, tout ce que tu as récupéré, bye bye, hein. Alors, je vous rassure, au fur et à mesure du jeu, vous allez progresser et vous allez développer entre autres bah, les coffres qui vous permettent d'avoir une assurance pour conserver un minimum de loot. Vous connaissez les principes des jeux, il n'y a rien qui va être inventé, mais ici, c'est monté d'une manière vraiment sympa, quoi. Je vais juste fermer un outil qui me casse les bonbons et qui n'a rien à foutre sur cet écran. Voilà. Et normalement, on va être bon. Oh yeah! Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est pas super compliqué. Hein. On a la flèche pour se déplacer. Le bon double jump des familles. L'esquive. Sur un bouton, l'attaque principale. Sur le bouton principal. Et juste à côté, l'attaque secondaire. Et si on a de la chance, on pourra même se soigner. Aux joies. Alors vous me direz, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, non, non. Mais regardez le truc. Vous allez voir. En fait, il se trouve que je suis mort et je suis un blob qui a repris possession de ce corps sans tête et qu'on m'a promis que si je retrouvais différents éléments, notamment des cellules, eh ben je pourrais être aidé pour retrouver ma forme initiale, ce qui est quand même pas mal. Alors, petit détail quand même. On est toujours mort. Donc, il me récapipette mes améliorations potentielles. Et ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça doit être vachement bien. C'est pas mal. Bah oui, il y a des zones qui sont pas forcément accessibles dès le début du jeu, faut pas rêver. Alors ça, je prends un arc en secondaire donc. J'aurais pu prendre ce bouclier, mais bon. Je suis un peu lâche et j'aime bien me battre à distance. Ça, c'est les téléporteurs. D'ailleurs, vous pouvez voir en bas, j'ai une petite carte. Donc vous savez à tout moment à peu près où vous êtes dans le niveau. Détail qui a son importance, le niveau est généré aléatoirement à chaque début de partie. Donc va falloir vous adapter.
que je suis pas bon. Je suis monstrueusement pas bon. Et bizarre cette dalle. J'aime casser avec ma grosse épée. Oui, ça c'est. Alors faut peut-être pas trop déconner sur l'arc parce que il se trouve que les munitions sont pas infinies au début. Oui, je dis au début. J'oublie tout le temps de faire mes roulades, moi. Le vrai bourrin de base, authentique. Alors pour looter, ça loot, hein. Il y a plein de trucs à éclater, à ramasser, à défoncer. On va y aller subtilement. Brutalité, bien entendu. Ça s'ouvre ailleurs. Ça s'ouvre donc ici, banane. Alors le perso est assez sympa parce qu'il a une petite inertie. Et au début, faut apprendre à en jouer. Chatouiller. Je chatouille des myrtilles, tu te souviens? Oui, non, mais ça ne prend pas. Il n'y a pas encore de rebond sur les parois. Ça ne saurait tarder. Il y a coffre. À moi le cadal. Alors, on peut poser des pièges. Soit, faut juste que j'y pense. Oui, ça fait beaucoup de commandes pour ma petite tête dès le démarrage. Donc vous voyez, le jeu est très sympa, on s'y fait rapidement. C'est d'une souplesse géniale. Donc le but est pas sorcier, hein. On se fait son petit donjon. L'idée c'est de. L'idée c'est d'arriver à s'en sortir en récupérant ses loots et en les validant quelque part, histoire d'être à peu près peinard. Bon, elle est probablement mieux que la mienne. Ah oui. J'aime beaucoup cette jump. Alors, il y a des portes qu'il faut payer pour les ouvrir. Mais ça, on vaut la peine. On va se la jouer sécurité. Hein.
Salut! Tout est à vendre, tout est hors de prix. Des grenades, hein. Je vais manger ça où, moi? Oh, why not? Ça devrait être sympa. J'aime casser. Donc vous voyez, Dead Cell, vraiment c'est de la pure arcade, plateforme, avec un poil de baston pour se faire un peu de tatane et que ce soit à sport. Niveau souplesse, faut vraiment essayer le jeu, c'est aux petits oignons comme on dit, comme je dis. Et niveau jeu, le fait d'avoir un level up qui est assez conséquent et qui paraît-il est très très fourni en éléments, sans qu'il soit imposé. C'est vous en fait qui allez construire votre style de jeu. C'est-à-dire si vous voulez faire un petit bourrin, vous allez pouvoir faire un petit bourrin. Si vous voulez faire un mec qui se bat qu'à distance, vous pouvez très bien gérer ça. Donc vous allez pouvoir déterminer en fait par tous les objets que vous allez ramasser la façon de jouer qui vous plaira la mieux, selon ce que vous activerez sur votre perso au final. Je crois que j'ai pas trop mal résumé le truc. J'ai encore jamais ramené 6000. Arc de débarras aléatoire. Oui, voilà qui est bien. On n'y est pas encore. Mutation. Je vais être Captain Brutal. Ça me plaît beaucoup, ça. Donc des petits bonus passifs qui viendront filer un coup de main, on dit pas non. On va se refaire le plein. Et boucherie! Pourquoi se retenir? Donc vous voyez, je vous avais pas menti en disant c'est du pixel art, ok, bateau, 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 mais c'est géré avec finesse et talent, hein, ça a vraiment de la gueule. Alors un petit chrono en bas pour les gens qui veulent scorer. Oui, il y a moyen de moyenner. J'aimerais bien avoir un double saut contre les parois, ce serait sympa. Oui, on l'appelait tir à distance. Ce n'est pas qu'il était peureux, mais il n'aimait pas bien les contacts physiques. Là. Plus de munitions, et eh bien ramasse les fils. Parce que plus d'arc, c'est plus la fête. Hein. Oui, je fais ça un peu à la brutos, mais c'est ce qu'il leur faut. Ah, il y avait un bonus de la mort là! Ça doit être l'enfer pour le choper, je vais oublier ça. De toute façon, je dois pas avoir les facultés pour. Ça s'appelle un gadin en termes techniques, ça. C'est vraiment chiant de spécifier le. Ça fait juste 4 minutes que ça a été condamné. C'est nul. Je ne reviendrai plus jamais. De toute manière, tu as été généré aléatoirement, espèce de sacripant. Ce fut tendu. Soyons brutales. Cochonnerie là-haut. Peut-être. Peut-être pas. Ok. Donc vous voyez, niveau exploration, il y a de quoi faire. Parce que le pépère est pas avare. D'ailleurs, je crois que à ma première partie, je suis mort dans un genre de donjon comme ça.
C'était quoi, des grenades plus. C'est exactement ce que j'ai. Je pourrais avoir deux fois les grenades. C'est pas très malin. On va oublier. Et là, j'ai mon coupe-coupe, mon arc, et je peux échanger contre un assommoir. Ça me branche pas plus que ça. J'allais voir en dessous s'il n'y avait pas un truc. Non, j'en viens. Hop, pardon. Oui, mon côté blond, toujours. Mais il fonctionne tellement bien, ce serait dommage de s'en passer. Bonjour, monsieur. C'est donc une femme. Oui, ben c'est toujours mieux qu'un collier de prisonnier, c'est certain. Oui, non, mais moi j'ouvre à coup de latte, madame. Et oui, c'est comme ça. Ça s'appelle le savoir-vivre. Ouh! Ouh! De la plateforme. Oh! Oui, je suis toujours aussi bon dans les jeux de plateforme, ça n'a pas changé. Je l'ai senti celui-là. Ouh! Dis donc, vilain pas beau. Comme quoi, ça vaut le coup quand même de bien nettoyer tous les niveaux apparemment, histoire de choper du bonus. Bon, là je le fais peut-être un petit peu trop en mode oui Maurice, t'as quelque chose à justifier. Oui, j'ai quelque chose à justifier. J'aime casser les portes. Voilà, vous connaîtrez mon grand secret. Est-ce que je tourne pas un poil en rond, moi? Non, non, bon, ok. Alors, chatouille des myrtilles, sérieux. Pourquoi je peux chatouiller ça? Je veux savoir. Me laissez pas mourir, idiot. Ouh. J'ai cru que j'avais fini le niveau. C'eût été rêvé un peu tôt. Chatouiller. Je peux pas. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va mal se passer pour moi. Je vais passer un sale quart d'heure. Waouh! Il m'a défoncé. Donc voilà, Dead Cell. Je vais pas vous prolonger la session plus longtemps. On a fait combien de temps là? 20 minutes, c'est largement suffisant. Je suis ça. J'incarne ça. Il me manque juste ma tête. Et pour ça, j'ai des donjons à écumer qui sont générés aléatoirement pour me permettre d'avancer dans ma quête. Tout est dit. Vous avez vu la souplesse du jeu. Vous avez vu son fonctionnement. Si vous aimez plateforme et baston, ce titre est taillé directement pour vous. Si vous aimez juste l'un des deux, bah, il va falloir faire un petit effort. Et puis voilà, je vous laisse pour ce stream. On a à peu près fait le tour de Dead Cells et c'est un jeu qui est fortement recommandable.
Comme d'habitude, je vais vous laisser sur les playlists habituelles. Donc la playlist généraliste, Choupidou, et la playlist plus spécialisée, Shmup. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao!